On a été subjugué par un matériau aussi simple. C'est un nouveau mode de construire, un nouveau mode de faire. Un des objectifs de cette expérience, c'est d'enseigner la collaboration et de mettre en œuvre une ingéniosité collective. Ça a été notre bébé pendant un moment, on l'a pensé, réfléchi, dessiné, et on a même été jusqu'à le construire sur site. Donc vraiment là pour le coup, on est vraiment investi dans ce projet. On sort de l'école, on sort de la salle de classe et on va faire de la pratique. L'exemple peut exprimer les choses beaucoup plus clairement que la parole, je trouve. On est toujours fiers de participer sur un bâtiment comme celui-là. C'est un bâtiment sur lequel on a beaucoup tous participé. Puis toutes les discussions aussi qui ont nourri le projet. On a eu des grandes journées entières de débats. C'est assez intéressant parce que nous nous sentons très engagés dans le projet. C'est notre projet. Pour nous, au cœur de la pédagogie Design Build, concevoir, construire, est l'idée que de futurs architectes puissent construire de leurs propres mains ce qu'ils ont dessiné sur le papier. Le fait de construire de ses propres mains un projet qui a été pensé pour être un projet éco-responsable, c'est vraiment augmenter cette dimension de la prise de conscience du futur architecte, de l'impact de la nature des matériaux utilisés dans la construction. Et pour commander les matériaux, il faut avoir finalisé le budget, parce qu'il faut savoir qu'on peut acheter plein de matériaux, etc. etc. Okay. Donc ça, c'est le monde dans lequel il faut plonger. En fait, on est découpé par équipe. Donc, il y a une équipe qui s'occupe de la communication, une équipe de la logistique et une équipe de la gestion du projet. Ce projet se base sur des analyses concrètes du site et on essaye vraiment d'utiliser ces données qui ne sont pas subjectives, pas faire un projet de goût au final personnel. Le projet qu'on est en train de réaliser pour la commune de Four, c'est une maison communale ou une maison pour tous où tout le monde va être bienvenu. La collaboration se fait à plusieurs échelles, donc autant on a un processus de collaboration à l'intérieur de la classe, donc on est 22 étudiants qui arrivent de différents endroits dans le monde, puis qui ont différentes façons de penser, puis de penser le projet. Ensuite, il y a le projet de collaboration à l'intérieur même de la commune de Four, donc avec les associations sportives et avec les citoyens qu'on a intégrés dans nos consultations, dans nos ateliers. Parce que l'objectif à la fin, c'est que le plus de gens puissent bien comprendre dans cette commune les sens du projet, les orientations, pour pas juste qu'on leur donne un projet puis qu'ils ne comprennent pas trop les décisions architecturales. C'est même pas juste qu'ils sont d'accord avec tout le monde réuni autour de cette idée. Tout le monde est porteur de ces idées, parce qu'en fait, tout le monde a contribué à ces idées. C'est justement un matériau qui va permettre de bien représenter la valeur, l'importance en fait de ce bâtiment de réunion, ce bâtiment-là qui va vous permettre de vous rencontrer. Ben, j'étais à la toute première réunion publique, j'étais le côté critique un petit peu de... parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de remarques sur la partie constructive, la façon de procéder, voilà, les choses comme ça. Disons que c'est pas la manière dont on nous apprend à faire le projet de manière classique en école d'archi. Et là, on est vraiment à l'écoute des usagers, en fait. Donc, futur. Après, faut pas... Comment dire ? On est à l'écoute, on prend en compte leur avis, mais on sait aussi... des fois, il faut savoir trancher. Noir de brun. C'est pas mal, j'aime bien noir de brun. Hein. Ça fait partie des valeurs qu'on enseigne aux étudiants. Chaque projet doit répondre au contexte naturel, contexte culturel, contexte en termes de contraintes et de ressources locales. Et ça, c'est vraiment à la cœur de ce qu'on appelle design build, c'est l'idée que les étudiants, ils ne conçoivent pas le projet de loin. En fait, ils sont immergés dans la culture avant qu'ils commencent à faire un premier trait. Il faut qu'ils comprennent le contexte dans lequel ils travaillent pour que, justement, ils puissent remettre en valeur tout ce qu'ils trouvent sur place. On a des questions budgétaires, on paie 350 à l'abri si un jour
il y a une vogue qui pleut un peu, on peut quand même pas tous rentrer. Mais... Non, mais le village de Villefontaine, les maisons en bois, oui. c'est devenu village, hein. C'est moche, hein. Ça dépend des secteurs, oui. Il y en a qui sont devenus moches, il y en a d'autres qui sont entretenus. Se confronter à la réalité et pas juste suivre des avis qui seraient basés sur des choses, des jugements esthétiques. Ou... Voilà, nous, on est vraiment attachés au fonctionnel, à l'usage et que ça marche, quoi, en vrai. Et pour toujours avoir la matérialité du pisé, et on va essayer de pouvoir les raccrocher sur tout l'intérieur pour garder cette atmosphère plutôt chaude et avoir toujours cet esprit de strat, d'esprit d'espace généreux, etc. Donc là, on est sur la carrière de Cemex à Wathier, qui est située à environ 15 km du site du projet de la Maison pour tous. Et aujourd'hui, c'est la journée un peu fatidique où on crible la terre, on prépare la terre pour les murs en pisé. Il y aura une vingtaine d'étudiants qui ont conçu le projet et qui vont être la main d'œuvre du projet. Moi, je les encadre en fait en tant qu'artisan pisé. Au début, je vais être un petit peu derrière tout le monde pour être sûr de les former correctement. Trouver la bonne terre, ça c'est vraiment très important. Pour la mise en œuvre, bah voilà, au bout d'une semaine, je pense que ça commencera à rouler sur le chantier. Les 20 étudiants trouveront chacun leur place au malaxage, au coffrage, au compactage. En principe, on dit 1 mètre carré par personne par jour. J'ai prévu qu'on fasse 4 mètres carrés par jour, ce qui en comptant coffrage, décoffrage, malaxage, tout ça. On réimagine le pisé dans un contexte contemporain. Donc on a un pisé qui est à la fois isolé, qui est préfabriqué, qui est le pisé d'aujourd'hui. Ce n'est pas le pisé du passé. Mais quand même, il y a l'intelligence de cette matière première qui est juste sous nos pieds. Il y a 90 mètres carrés de murs porteurs en pisé de 45 cm d'épaisseur. Et il y a aussi 40 mètres carrés de pisé préfabriqué en parement intérieur. Et ça va être des chantiers qui sont menés en parallèle. Sur le site, on a le pisé qui fait 45 cm de large, qui va être porteur. Lui, pour le parement intérieur, il fait entre 7 et 8 cm. Et donc, c'est des panneaux qu'on a commencé à préfabriquer il y a 2 mois. Parce que ça prend un temps de séchage d'un mois pour pouvoir le poser. Donc c'est pour ça que Timur a commencé à avoir cette production-là plutôt de type usine avec en faisant des banches de pisé de 5 mètres de long. C'est ça, on monte ce mur-ci, on l'a monté jusqu'à 66 cm. Et là, on vient de finir la dernière couche de la dernière ligne et on va se préparer à retirer la banche pour pouvoir ensuite de ça la cisailler et l'entreposer pour qu'elle puisse sécher elle aussi avant de l'installer une fois que le bâtiment est terminé. Ouais, ok, on va le poser là. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'un matériau sain? Quel impact on a sur notre environnement? Quand on participe au chantier, on est immergé dans l'environnement dans lequel on construit. Et donc, ce sens de la responsabilité que nous essayons aujourd'hui de transmettre à nos étudiants, ça fait partie des valeurs qu'on essaie de transmettre, il est aussi très lié à l'acte de construire concrètement et d'être présent sur le terrain, sur les sites des projets que l'on conçoit en tant qu'architecte. Alors, le patrimoine en pisé, on l'évalue dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. On estime à peu près 1 million de bâtiments qui sont construits en pisé, donc à partir essentiellement 18e et fin 18e, surtout 19e siècle et tout le début du 20e siècle, avec différentes caractéristiques à ces moments-là. Donc un patrimoine extrêmement important, extrêmement présent, plus ou moins selon les localités, puisqu'en fait les gens prenaient simplement les matériaux qu'ils avaient sous les pieds. Donc à certains endroits, on a plutôt de la pierre, on a plutôt de la terre. D'ailleurs, c'est intéressant ici à Four, où on voit bien certaines zones du village, on est avec de la pierre, et puis dès qu'on change un petit peu d'endroit, on a la terre. Donc en fait, on voit à Four l'illustration complète de cette pratique ancienne de minimiser, je dirais, les transports de matériaux, on travaillait avec ce que l'on avait sur place, au moins pour les parties les plus importantes.
Et nous, on se trouve qu'il y avait une certaine intelligence dans l'architecture vernaculaire qui était construite avec des matériaux locaux, qui était construite collectivement par une commune, qui était aussi, ça retombait au climat, à l'environnement dans lequel il était construit, parce qu'il n'y avait pas des avantages, entre guillemets, des systèmes actifs. Donc c'était des bâtiments qui étaient obligés d'être intégrés dans leur propre environnement sans une autre technologie. Et donc souvent, on trouve qu'on peut... On peut imaginer un nouvel futur avec une technologie qui est à la fois high-tech et low-tech. Cette diffusion du savoir-faire sur un matériau qui a été délaissé, sur un matériau qui était banni, un matériau de rien, un matériau qui fond à l'eau, et finalement le réhabiliter parce qu'on prend la terre dans ses mains, on construit sans forcément sans mettre du ciment, non rien du tout. Donc on est parti sur un savoir-faire technologique simple, facile à mettre en œuvre. À travers ce genre d'expérience, comme la réalisation de la Maison pour tous, qui est évidemment un projet pédagogique, à la fois pour les étudiants futurs architectes, mais aussi pour tous les acteurs qui y participent, puisque c'est un projet citoyen, partagé, c'est aussi l'idée de réinventer ensemble d'autres manières de réfléchir ou d'appréhender les choses. La réalisation d'un bâtiment public, la manière dont on utilise les ressources locales, la manière dont on travaille ensemble. Aujourd'hui, c'est la journée participative, donc c'est la journée pendant laquelle on a invité les habitants du village à venir sur le chantier, nous aider sur certaines tâches, donc, et venir visiter le chantier en partie aussi. Du coup, il y a un atelier de pose de bardage sur le stockage actuellement, un atelier préparation des coffrages pour l'amphithéâtre qui sera situé au sud du bâtiment, et un petit atelier de fabrication de pisé pour les enfants. On est très très bien guidés par les étudiants, ils nous expliquent ce qu'on doit faire avec beaucoup de délicatesse et un vocabulaire tout à fait accessible aux personnes non initiées comme moi. Non, c'est bien, on a des bons chefs de chantier hein, qui nous motivent. Bravo, allez les filles, championnes, un pisé dans la boîte. Donc une fois que ta terre qui est bonne, bon là du coup on te l'a bien préparée, tu t'en mets à peu près un peu moins de 10 cm au fond de ton coffrage. Donc vas-y, je te laisse faire. Tu pises, tu fais les angles, après tu fais en gros tu fais le tour et après tu pises au milieu. Il a un petit aspect participatif, c'est-à-dire que nous travaillons tous mais avec les habitants du village pour pouvoir produire un projet pour le village. Donc, travaille avec les gens pour les gens. Ce qui est particulier à propos de ce projet, c'est le fait que nous travaillons tous en groupe. Donc on arrive ici le matin et chacun sait ce qu'il a à faire et on travaille tous et on travaille tous parallèlement et chacun fait quelque chose de différent pour qu'au fin de la journée, tout converge et ça marche. Ce projet-là montre que l'architecte doit être présent du début à la fin. Et c'est ce qu'on va faire et on va être sur chantier jusqu'à la fin. Enfin, c'est de l'idée à la finition. Et ça, c'est chouette. Et je pense que c'est à ce moment-là où on peut dire qu'on a fait un projet et que ce projet il vient de nous. Cette fierté collective qui découle de la réalisation du projet en commun, c'est aussi une sorte de quête de sens, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose, on l'a fait ensemble, et ça a du sens, tout le monde comprend ce qu'on a fait et pourquoi. Dans notre métier d'architecte, on doit aussi travailler avec des gens. Donc, du coup, là, pédagogiquement, c'est vraiment fondamental, au-delà même, je dirais, simplement des matériaux qu'on met en avant, parce que ça nous intéresse, on travaille dessus depuis longtemps. Ce rapport qui est installé au moment de la pédagogie par le fait qu'il y a un travail collaboratif, des discussions qui sont faites sur comment on va faire, comment on s'y prend, pourquoi on fait comme ça, quel est le matériel, combien de temps ça prend. C'est difficile, c'est pas difficile. Ça apprend aussi quelque chose de fondamental pour un architecte, c'est qu'il va dessiner un trait. Quand il dessine ce trait, il faut qu'il soit conscient que des gens derrière vont réaliser ce que ce trait signifie.
Vraiment l'idée de faire un projet concret qui m'attirait et qui manque dans toutes les études d'architecture, de pouvoir toucher les matériaux et construire et en fait apprendre l'architecture en construisant. Aujourd'hui, on a pris 4 jours pour faire le dossier, c'est amplement suffisant, donc on a le temps de consacrer un peu de temps et en même temps de faire de la pseudo-formation, entre guillemets, d'expliquer les pourquoi du comment aux étudiants, c'est toujours bon à savoir. Tu vas me le relever encore un poil, un tout petit peu. Ouais mais putain j'y arrive pas, je touche en haut. Puis si on le visse, on peut pas mettre la ceinture. Donc faut prévoir une cale en 3 plis en sous-face pour protéger. En tant qu'architecte, on se sent une responsabilité de permettre d'initier ce type d'initiative et de réflexion qui sont... positive pour l'avenir et qui dessine l'avenir. Cette semaine, on s'est attaqué à la pose du pisé en préfabriqué avec Timour, l'artisan pisé. Donc la première étape, c'était d'installer les poutres Steico, d'installer après l'isolant entre ces poutres, puis le pharmacel, des vitaux en bois pour pouvoir supporter ces panneaux en préfabriqué et après petit à petit préparer les panneaux, préparer les supports, préparer aussi le mortier à base de terre, de sable, d'argile et d'eau, les équerres, les coins, plein de petits objets différents pour pouvoir les poser et les installer avec la chèvre pour les soulever et pouvoir les porter et les poser sur les murs. Donc là on est en train de faire les finitions, on s'occupe de l'intérieur, en ce moment on pose les parements en pisé préfabriqué qu'on a. En fait c'est la première étape du chantier qu'on a faite, fabriquer des petits blocs de pisé qui vont servir à faire le revêtement intérieur de la salle. Café ! On entend toujours le terme l'architecture durable. Pour nous, le bâtiment il peut être le plus intelligent au monde, mais si ce n'était pas émergé d'une réflexion collective, il n'est pas durable dans le sens qu'il va être le bébé de l'architecte, mais pas partagé avec les gens qui vont l'utiliser, qui vont s'occuper de l'entretien de ce bâtiment. Donc on voit que c'est un bel objet, mais c'est un bel objet qui représente l'ego de l'architecte plutôt que on peut dire l'intelligence collective. C'est vraiment un support pédagogique qui est extra parce qu'on met les mains dans la pâte et on est vraiment confronté aux problèmes qu'on va rencontrer plus tard. Après, c'est vraiment un projet aussi qui est humain parce qu'on a eu beaucoup d'échanges, que ce soit avec les associations, les habitants, les professionnels aussi, que ce soit les ingénieurs, les paysagistes, etc. Donc c'est vrai qu'en fait, on s'est retrouvé un peu au milieu de tout un ensemble d'acteurs c'était vraiment hyper épanouissant et ça nous a fait un peu... découvrir ce que c'était que le métier. C'est aussi quelque chose qui a pu se faire parce que c'est unique en fait, c'est une démarche qui est unique. On a fait des partenariats qui ont intéressé parce que ça sort un peu du commun. Donc forcément, ça ouvre des portes. C'était un peu de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on a appris tout au long de cette construction. Du coup, et de conception, et du coup, effectivement, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas assez gérées jusqu'au bout, ou qu'on ne s'est pas rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir, ou peut-être que... Mais en même temps, en ayant un projet à concevoir et construire sur un an, il y a des choses qu'on a pu et dû laisser de côté un petit peu. Et du coup, on se rend compte, là, maintenant, à la fin, que, par exemple, même déjà dans la conception, ça aurait été pas mal d'avoir un peu plus de temps avec les habitants pour comprendre plus leurs besoins et
prendre plus de temps pour partager ensemble. Nous les suivons dans leur parcours après, professionnel qui se développe et personnel. Mais aussi, ils restent en contact avec les habitants, les différents acteurs du projet avec qui ils se sont rapprochés. Et donc, c'est les valeurs qui ont été mises en œuvre à travers ce projet pédagogique, ils les portent. Et donc, c'est d'autant plus de personnes qui, chaque année, portent ces valeurs. On les a loués. Ça apporte quelque chose de fondamentalement différent de ce qui aurait été apporté par un projet commandé selon les techniques traditionnelles, qui fait qu'on aurait payé cash quelque chose, qu'on aurait pu avoir probablement quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus luxueux, de peut-être déjà aménagé, de peut-être tout ça, et qu'on aurait raté, je dirais, les 4/5 de ce que ce projet a apporté. Voilà. Et donc la répercussion pour le territoire de cette affaire-là aurait été très minime. Pourquoi ? Parce que la commune de Fours ou n'importe quelle autre aurait acheté un équipement nouveau, très bien. Et puis, ces relations n'existant pas, pourquoi voulez-vous que ça se duplique, cette affaire-là ? Il n'y a aucune raison pour laquelle ça va se dupliquer. Alors que là, ça se duplique déjà sur la Verpillière, que j'ai deux maires qui, rien qu'au cours ce matin, sont venus me demander en me disant « oui, mais moi j'ai une idée », etc. Et ainsi de suite. Ça veut dire que l'ACAPI va devenir, non pas le centre du monde parce que ce serait prétentieux, mais un référentiel dans ce domaine-là. Et le département, puisque l'école est à Grenoble, et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a envie d'avancer là-dedans. Et donc on identifie ce secteur-là comme un creuset fertile. Quand la nouvelle Golf GT Tuning est sortie, c'était un peu... Vous avoir enseigné la mobilité pour sa capacité à rester calme dans toute sa contrainte. En fait, de concevoir ensemble, où on se voyait juste à l'école, et même si par moments on passait beaucoup de temps ensemble parce que ça prenait du temps, au moment où on est arrivé sur site et enfin, on a passé la phase chantier aux grands ateliers où on vivait vraiment ensemble et en fait bah, on dormait même ensemble, c'était pas le même lien. Il fallait apprendre de chacun, apprendre les temps pour chacun. Enfin, c'était humainement une vraie expérience. Joli bâtiment, bien intégré dans le paysage, très clair. Après, on espère qu'il apportera autant de qualité en énergie que ça nous a été promis. Ce qui est unique dans ce projet, c'est pas le Pisé, c'est le fait que ce soit des étudiants qui l'ont conçu, construit. On est tous capables de raconter n'importe quelle partie du projet, parce qu'on a tous partagé tout le temps tout ce qui se passait, toutes les informations et autres. Du coup, c'est même pas être ambassadeur, c'est on a tous des parents un petit peu de ce truc. Ce qui serait drôle, c'est de revenir dans 10 ans, voir comment il a évolué et voir où est-ce qu'on a fait des erreurs aussi. C'est un projet qui est fait pour les Fourrois, par les Fourrois. Et c'est ça qui est intéressant, vous comprenez ? Faisons les choses ensemble. C'est collaboratif, vraiment, parce que ce soit entre nous, les étudiants, que ce soit avec les habitants, comme je l'ai dit, que ce soit avec les professionnels, on a vraiment tous travaillé ensemble et je pense que c'est vraiment la chose que je retiens le plus. Enfin, l'aventure du chantier était géniale. Si tous les chantiers pouvaient se passer comme ça, ce serait parfait. On dit souvent que ce projet est un projet démonstrateur. Notre rôle est de montrer l'exemple, de collectivement montrer l'exemple de ce qui peut se faire. Et donc une fois qu'on peut montrer qu'il y a des voies à ouvrir, à ce moment-là, on peut construire les nouvelles voies à venir.